celui-là. Tu vois, je l'avais pas trouvé. Alors, Désert se dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est à moi de protéger mon peuple. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, il fait venir Imhotep. Imhotep, c'est son médecin, son architecte, son conseiller, son meilleur ami, son astronome. Et quand Imhotep arrive, s'incline. Maître, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'avez-vous fait appeler? Eh bien voilà, il faut absolument que l'on sache d'où viennent les crues du Nil. Thank you.
Alors c'est à vous. Je voulais vous dire, puisque vous m'y invitez si courtoisement que je ne puis refuser, je voulais vous dire, en somme, qu'avez-vous su? Ce que nous avons su? Eh bien, mais nous avons su ce que nous étions tout près de savoir. Ce qu'il y a à savoir quand il y a quelque chose à savoir. Après cela, les choses ont marché drôlement. Oui, à une allure drôlement rapide. Tout a été fait en un clin d'œil, sans avoir l'air de rien. À la dérobée. Ni vu ni connu, pas le temps d'y rouler. On était partis assez calmes, on est revenus tout joyeux. Vous vous en souvenez? Si je m'en souviens. Et moi donc. Pardon? Le Christ ressuscité. Fils de Dieu, mais... Alors, qui a vu le Christ a vu ce qu'on appelle la parousie. Et la parousie comportera justement, mais c'est le retour du Christ. Voilà. Contrairement à vous. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant dans les personnages ou les scènes? S'en aller, je meurs. De l'hirondelle au printemps.
plonger la griffe, plonger la dent dans la douceur de cette corne d'élan. Regarde comme dérive et comme se plissent les continents et s'égarer les pieds dans l'air bouchant. À la lisière des sources basculer et rire du caïman. All of me, why not take all of me? Baby, can't you see I'm not good without you? Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te buscando donde quiera que yo voy y no te pueda hallar. ¿Para qué quiero otros besos sin tus labios no me quieran besar? Il aurait décroché la lune à sa belle aimant. Magie, magie de femme lune, imprégnons-nous-en. C'était un soir de clair de lune à la brise du vent. De sa longue chevelure brune des filets d'argent, son ventre s'offrit à la lune, posé sur elle doucement. Contre la nuit de sa chevelure, de la poussière de vent. Mujer, si puedes tú con Dios hablar.
Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Là, il nous montre plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, et je peux directement changer l'ordre de mes plans et me dire, bah, en fait, je veux qu'il soit au début. Hop. Il va me le relire du début, du coup. En fait, une fois que j'ai ça, je peux faire le montage. Du coup, je peux monter, après, je peux rajouter de la musique. Ça remarche, ça s'en fout. Hop. On peut rajouter des musiques d'ambiance, qu'on peut monter, baisser, et après des bruitages du coup, qui sont juste ponctuels. Ça fait une sacrée chute. Hein. Par les vents, hirsutes et magnifiques, sentinelles des sentiers à venir. Et plus loin, ou plus près, une girouette rouillée cherchant le pourquoi des nuages, découpant sur le ciel l'ombre chinoise des autans. Il est installé dans un parc. Des feuilles lui servent de tapis. Un tapis d'automne chamarré, qui pourrait s'envoler si le vent se levait. Le banc, puisqu'il s'agit de lui, est blanc. Lui aussi recouvert de feuilles identiques à celles du tapis. Même les accoudoirs en sont recouverts. S'asseoir sur ces coussins de feuilles et rêver. S'assoupir sous l'arbre aux feuilles chamarrées et l'écouter. Finalement, ce banc pourrait être un banquette. Un banquette. Je me rappelle, c'était il y a bien des années. J'avais fui la maison paternelle, pas un sou, un petit sac à dos, mon couteau, ma bouteille, du rouge, du frais, qui vous réchauffe le cœur, faute de réchauffer le corps. Quand on est banc, c'est parfois dur de ne rien dire. Pour ce qui est des choses gentilles et douces, des émotions heureuses, de ce qui vous arrive et fait du bien, alors là, ça va, je peux ne rien dire. J'entends, je prends, ça anime toutes les veines de mon bois, ça pénètre tous les pores de mon être, c'est doux. Ça ne m'oblige qu'à sourire intérieurement. Je n'ai même pas de merci qui me vient aux accoudoirs, puisque ce qui advient et me rend heureux ne me tombe dessus que par hasard. Ça ne m'était pas destiné. Le 1er juillet 2017 était un jour gris. Grisaille et pluie. Un jour de joie pourtant. Un jour ample, des bancs à conques, j'en ai frôlé, j'en ai espéré, j'en ai trouvé. Ils étaient retournés, le ventre à l'air, évidés, formant cercle autour du chevet de l'abbatiale. En fait, des sarcophages de pierre, rejetés là, après avoir servi, c'est sûr.
Je suis ban et fière de l'être. On m'a installée ici en 1968. Je me suis retrouvée 4 semaines plus tard en pleine révolution. J'ai eu peur de leurs cocktails Molotov, de leurs cris, de leurs délires, des foules, des attaques de CRS. J'attendais presque leurs bombes. Un monde de dingue. On a sauté sur moi et j'ai sursauté. Ils ont scandé des discours à la foule. Là, j'étais fière de moi. J'étais le support d'un libertaire. On ne m'a pas déraciné, ni enchaîné. Ils se sont éloignés. J'ai pu souffler enfin. J'avais le cœur qui battait, moi. Quelle tachycardie. J'étais tout émotionnée devant cette foule. L'abbatiale, ses bancs, mon banc. Un espace de liberté, un espace de silence. Hauteur sous la voûte, 22 mètres. Monsieur s'assoit, madame photographie. Ce n'est pas monsieur bleu et madame rouge sont dans une chambre violette. Il est en rose, elle est en blanc. Ils dormiront dans une chambre rose claire. Monsieur rose est immobile. Madame blanc s'agite et shoote chaque vitrail, chaque chapiteau. Elle kiffe, elle court, elle vit, elle bouge. Il lit, il prie, il médite. Telle une pierre, telle une colonne, tel un chapiteau. Immobile, imperturbable, inaliénable, inaltérable. Je suis un banc et fier de l'être. Créateur d'instants de paix et de recueillement sur soi. Je suis sollicité, convoité par les hommes. Sur moi, on se pose comme on pose une idée sur le papier. Et de tous les âges, je suis choyée. De tous les pays, on me connaît. Ah, j'en ai vu passer des générations. Du papy autour du square qui raconte ses jeunes années en regardant passer les filles, toute la journée, ou bien aux adolescents qui grillent leur première cigarette. Les fesses posées sur mon dossier et les pieds sur mon assise. J'en aurai des histoires à raconter. Je suis fière car je crée aussi de l'humanité. Pardon monsieur, je peux m'asseoir ? Oui, je vous en prie, la place est libre, elle est à tout le monde. Et voilà, un brin de causette, un sourire. On en oublie son smartphone et on fait connaissance, pour 5 minutes ou pour toute la vie. Ça réchauffe le cœur. Dans une émission de radio de minuit à 2h du matin, on donne la parole au banc. Voici un témoignage. Chers auditeurs, j'ai été invitée ce soir, je vous en remercie. Vous me donnez la parole en affirmant « Quand on est banc, on a forcément les pieds sur terre. » Ce qui me semble vrai au bout d'une allée de sapins ne l'est pas pour moi. Je suis un banc d'église. Je me trouve en un lieu sacré où des anges passent continuellement. Imaginez-moi, le bois dont je suis fait a été coupé en pleine forêt. J'ai été séparée de mes racines, on a détaché mon écorce et on m'a mise à sécher. Depuis que je suis banc, je vois la vie autrement. Je vois la vie du côté des fesses et ma foi, le point de vue est intéressant. Ne riez pas, c'est beau une paire de fesses qui s'abandonne au repos. Moi, ça m'émeut. S'asseoir, c'est le sourire d'en bas. Depuis que je suis banc, je suis intime avec les parties charnues de l'humanité. Toutes et tous me font don de leur derrière. Et moi, je leur rends bien. Car lorsqu'un postérieur se pose moelleusement sur moi, c'est un tressaillement de tout le corps, qui du coccyx remonte par le sacrum, vertèbre après vertèbre, jusqu'au plus profond bien-être de mon visiteur. Depuis que je suis banc, j'accueille inconditionnellement, sans distinction, les fondements du genre humain et j'en prends grand soin. Sur mes genoux de bois et de métal, je prends tendrement les hommes épuisés, la lassitude des femmes et vous aussi parfois lorsque la fatigue vous accable. Car depuis que je suis banc, je sais que l'essentiel est là, dans le secret des chairs qui s'alanguissent. Concert à l'abbatiale. Les chants montent et puis se taisent. Magie de la mélodie. Des conversations y mettent un bémol. Les voix soudain habitent la pierre. Les statues se surprennent à tendre l'oreille.
Certains sont venus pour écouter, d'autres circulent d'un pas décidé. Nous sommes devenus des êtres que la lumière parfois offense. Il y a très longtemps, Chétoigny le Satan était le meilleur ami de Gut, le dieu. Ils mangeaient ensemble, buvaient ensemble, riaient ensemble, chantaient ensemble. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Un jour, après un bon repas partagé, Chétoigny le Satan dit à Mbu le dieu : Mon ami, je suis désolé de te dire cela, mais je trouve nos tâches mal réparties. Moi, tous les hommes me maudissent. Et loue ta bonté. Si on échangeait nos rôles. Recrutement. Recherchons un électricien pour établir le courant entre les gens. Un opticien pour changer leur regard. Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages. Un maçon pour bâtir la paix. Un jardinier pour cultiver la pensée. Et un professeur de maths pour réapprendre à compter les uns sur les autres. Moi, le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. En le calant du mieux possible avec un niveau, une boussole à trouver le sud de l'eau, chercher un fil à bout pour la verticalité. Voilà, parce qu'il faut qu'il soit effectivement plan dans tous les sens. Et puis tenir compte d'un certain nombre de choses. Enfin voilà, dans le principe c'est très simple. Hein. Un bâton pour faire une ombre et le soleil tourne autour. Cela s'appelle le sauvage. C'est un petit coin perdu où je peux pleurer à l'aise. Loin des grandes avenues, à l'abri sous la falaise. Je cultive des iris, tout en écoutant les cris des grands éperviers maraudeurs qui seuls résonnent dans mon cœur. Ma cabane est toujours ouverte, mais personne ne vient m'y voir. Ma terrasse aussi est déserte, encadrée de désespoir. Quand je suis fatiguée, sur mon seuil, je viens m'asseoir. Et mon regard suit les vallées, les bois si verts, les pins si noirs, les courbes solitaires. Et mon chagrin s'y perd, et mes idées s'en vont, jusqu'à ces horizons si beaux et au-delà. Jusqu'à ces autres sidéraux où tout se diluera. Un souvenir s'estompe, un souvenir, un homme vivant, chaud, et qui m'aimait, et qui est parti, à tout jamais. Autrefois, il y a longtemps, les rires d'un petit enfant qui se roulait dans les pervenches et se balançait sur les branches, et aussi, merci, douceur infinie que je n'oublie. C'était un dimanche, deux enfants inconnus venaient, je ne sais d'où, d'un ciel pris de pitié sans doute, vers moi sont descendus, m'offrir un bouquet de jonquilles. Va donc savoir pourquoi. C'était un dimanche si froid. Le vent dispersait ses aiguilles et je pleurais, larmes amères, seule. C'était la fête des grands-mères.
Il manquait la soupe dans la vidéo. Non, ça va, je mange à propre main. Merci. Ah oui, tu l'as bien arraché. Oui, je vais montrer à vous.